Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente cette vidéo pour vous montrer mon agenda, comment je fonctionne pour que ce soit le plus pratique possible en utilisant deux stylos. Un marqueur effaçable pour tableau blanc avec une pointe plutôt fine. Voilà, comme ça, je vous montre ici. Alors, je l'ai bricolé un peu pour mettre de la feutrine au bout. Voilà, je vous montrerai pourquoi après. Et puis un stylo tout simple pour écrire normalement. Donc ça c'est une couverture. Alors j'ai pas gardé l'intérieur, il y avait des onglets, des séparateurs, mais ils me convenaient pas, j'aimais pas du tout, donc j'ai refait les miens. Ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est qu'il y avait cette pochette avec justement ici, on a vraiment quelque chose qui empêche les papiers de partir, ils peuvent partir que par le haut, et généralement le fait que ce soit fermé, ça suffit à ce que ça ne parte pas. Donc là en fait, je note toutes les choses régulière dont je dois m'occuper. Donc ça, bah, effectivement, c'est comme d'habitude, c'est PEPS, c'est l'équivalent des TCC où on rajoute le besoin social. C'est une approche du bien-être, lavage de dents, ce genre de choses, m'hydrater suffisamment parce que je pense pas toujours à boire suffisamment alors que j'ai tout le temps soif, c'est un peu bizarre. Manger suffisamment de fibres, ça a été fait hier, mais hier soir. Et des pré-probiotiques. Prendre soin de mon sommeil et puis marcher, m'activer suffisamment. Hop, le matin. J'arrive, je repars à zéro. Bon, les dents pour le coup, c'est refait ce matin sous la douche. Donc ça c'est bon. Si j'ai des choses à faire dans la journée que je veux travailler un petit peu, je peux les noter ici. Et là c'est ma journée type tous les jours de la semaine, mais c'est juste un rappel. J'ai noté également la charte graphique avec tous les codes couleurs parce que je me souviens jamais que de 009EB0 pour mon turquoise préféré. Quelques petites notes et puis les publications de la semaine. Après, on arrive à ma partie agenda. Donc là, j'en ai profité pour décorer. Donc ça, c'est un onglet. Il a trois épaisseurs de papier assez épais. Donc ça marche bien. Et ça, c'est le système Disbound. Disbound, ça permet ça. On arrive, on veut enlever la feuille, on la vire, il n'y a pas de souci, c'est fait. Et puis hein, pour remettre, bah, c'est tout simple, ça se remet comme ça. Un coup de perfo et c'est bon. Donc là, bah, c'est mes semaines. Ça a été une semaine un petit peu chargée. Là, on est dimanche. Je vais quand même regarder ça, mais pareil, je déplace mon marqueur de c'est on en est là aujourd'hui. Comme ça, quand je ferme mon agenda, j'ai juste à attraper ça et j'arrive directement au bon endroit. Et puis préparation des semaines suivantes. Voilà ce que ça donne. Alors ça, la cure thermale a été annulée, donc il va falloir que je décolle tout ça et voir si le papier supporte. Sinon, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai pas envie de me rappeler tous les jours qu'on a annulé ma cure thermale et tout ça. Donc là, on arrive jusqu'à janvier. J'ai mis des petits onglets comme ça. Alors ceux-là, je les ai fabriqués avec la Silhouette Studio. Donc, mais sinon, vous, il y a des onglets qui se vendent tout près avec plein de couleurs différentes. Moi, ça me permettait de réutiliser les couleurs que j'avais faites pour l'agenda, parce que c'est moi aussi qui ai conçu cet agenda, avec toutes ces couleurs, une couleur par jour. Je pense que cette zone de suivi, puisqu'avant, pendant plus d'un an, 1 an et demi, ouais, je dirais 1 an et demi, 2 ans, j'ai effectivement fait ce suivi en bas, avec à chaque fois 4 choses à surveiller, donc ça pouvait être marcher suffisamment, faire de la méditation, faire des exercices de respiration, une chose que je voulais vraiment mettre en place. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai déplacé ça sur cette fiche-là. Donc j'ai cette partie-là qui ne me sert plus et que je vais pouvoir utiliser éventuellement pour autre chose si je refais un nouvel agenda. Là, j'ai une pochette, j'ai un onglet pour le travail avec une pochette où je peux mettre des petits papiers. Donc là, c'est des rappels pour moi, communication, machin, la charte graphique à nouveau, etc. Là, il y a un espace avec des notes avant que je transfère sur ordinateur ou que je rebidouille ça. Pareil, là, j'ai refait une pochette, mais elle est ouverte sur le côté avec des trucs perso. Parce que là, c'est là que je range mes petites étiquettes. Pareil, je l'ai fait sur Silhouette Studio. Et mes antécédents médicaux sur une feuille une feuille au cas où j'ai un pépin parce que quand on a des antécédents médicaux sur 2 feuilles, et ben c'est mieux d'avoir un truc fait pour affiler au médecin en cas de pépin.
Là, j'ai fait des fiches self-care. Si ça va pas, je sais que je peux piocher dans ces activités. Elles sont plastifiées et je les retransfère. À chaque fois, je les conserve dans tous mes agendas au cas où j'ai un coup de mou. J'ai pas à réfléchir sur ce qui pourrait me faire du bien. Je peux consulter la liste. Bon, il s'avère que je réfléchis quand même, mais bon. Des petits rappels, des choses qu'on m'a dit, des choses du genre. Et j'ai également fait une planche avec des photos de trucs sympas. Il y a ma famille, mon mari, mon mari, les chats. Ma famille. Ça, c'est le Kinkakuji au Japon. Et ça, c'est la fontaine à pied asymétrique. Pareil, c'est dans une petite ville du Japon. Et puis, un espace de notes. La fin, ici, il n'y avait pas prévu, mais j'ai mis une étiquette, un truc collant, avec un maintien stylo, en fait. Ce qui fait que j'ai toujours un stylo quand je pars. Ce que je vais essayer, c'est de voir si je peux pas enlever un peu ça, parce que je trouve pas ça très joli, c'est leur logo, leur machin. Je vais peut-être essayer avec un peu de white spirit dans un coin discret pour voir si ça abîme pas le plastique, et puis sinon je pourrais peut-être mettre un autocollant ou un truc comme ça, c'est pas encore décidé. Donc un agenda qui est super pratique. Donc ce système, c'est le système disk bound. On appelle aussi ça, si vous cherchez au niveau des perforatrices en T ou champignons. Je vous montre un peu un exemple. Alors celui-là, c'est pas le meilleur. Voilà, je prends celui-là. Voilà. Donc en T ou champignon. Vous voyez la forme, c'est un champignon et sinon ça s'appelle aussi en T. Si jamais vous ne trouvez pas, c'est pas un problème. Ce que vous pouvez prendre, c'est une perforatrice normale. Vous faites votre trou là où vous voulez, hop, et ensuite vous prenez une paire de ciseaux, clac clac, ça marche. Alors, moi j'ai une perforatrice faite pour faire tout ça d'un coup, c'est extrêmement pratique. Le seul souci, c'est que effectivement, elle ne fait pas le plastique. Donc toutes les feuilles plastifiées, les couvertures, etc. Il va généralement falloir passer par ce système-là. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une feuille, vous marquez avec un stylo ou un marqueur les trous sur la feuille en dessous. Vous arrivez avec votre perfo, vous faites toute la série de trous, vous faites les petits ajustements et c'est tout. Et on a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Vous voyez, les pages se déroulent. Ce qui est important pour moi, c'est que souvent, travailler en A4, c'est un peu trop gros pour moi, j'ai du mal. J'ai besoin d'être, hop, sur du A5. Et vous voyez, le mouvement que je fais, il est extrêmement simple. J'arrive, si je laisse souvent ouvert à la page de la semaine en cours, plié. Mais sinon, j'arrive comme ça, je me dis, ouais, je vais travailler sur, mettons, tiens, mettons sur une page de prise de notes, ici. Classiquement, la prise de notes, c'est quand même un endroit où on aime bien être à l'aise. J'ai pas envie d'avoir la partie là qui me rentre dans l'estomac. Hop, voilà. Un mouvement, c'est bon, c'est prêt, je suis prête à noter, etc. Donc moi, c'est un système que je recommande vraiment parce qu'il a les avantages du cahier, il a les avantages de l'anneau, et encore mieux. C'est-à-dire qu'on a l'avantage du cahier, mais qui s'ouvre à plat. Mais encore mieux puisqu'on peut le retourner et il a mo la modularité des systèmes à anneaux, mais sans avoir ce problème de prise de place importante. Donc pour moi, le Diskbound, ça a été vraiment la révélation, le système à disque génial, quoi. Donc c'est ce que je vous conseillerais sans aucune hésitation, quelle que soit la marque. Et si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment fabriquer intégralement ce système pour vous. Donc là, j'ai quand même acheté ces couvertures-là, mais tout le reste, oui, c'est ça. Même ça, c'était du plastique à pochoir. Ça, c'est du plastique à plastifieuse tout simple sur lui-même. Donc voilà, l'intégralité de l'intérieur sauf la couverture, parce que je voulais vraiment un système comme ça pour les documents vitesse, est fait maison. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, c'est vraiment un système que j'adore. Salut, prenez bien soin de vous!